Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens de faire un petit bref analyse sur la situation en Ukraine. Premièrement, nous remarquons un changement de narratif dans les médias occidentaux, mais que les graduels, mais les certainement là, parce que nous connaissons que la situation en Ukraine est vraiment compliquée, principalement pour les Ukrainiens et l'armée ukrainienne elle-même, qui n'a pas gagné tout ce qu'elle a besoin pour faire face carré avec la Russie, qui est une puissance militaire qui est plus forte en Europe, pour ne pas dire en Asie. Parce que nous connaissons que la Russie, étant que pays qui est gros dans le monde là, il y a une frontière élargie sur deux continents. Donc, nous avons constitué pays ça fait partie de l'Eurasie. C'est un rare pays européen et asiatique à la fois. Mais pendant le dernier temps, on a suivi l'actualité internationale. Nous avons reflé une déception graduelle. Nous avons de plus en plus suivi les nouvelles américaines, les nouvelles françaises, anglaises, un peu partout. Nous avons que les médias commencent à faire la vérité sur ce qui a passé en Ukraine réellement. Pas propagande que l'Occident veut fort comprendre, mais vraiment l'histoire qui a fait en Ukraine. Il s'est passé, grand pile rapport qui sorti, grand pile article qui écrit, grand pile analyste, ok? Militaire et politique qui expliquait en détail les vrais faits qui ont pris en place en Ukraine. Premièrement, nous voyons que le média occidental là, l'a fait travail que le gouvernement lui-même n'a pas fait. Il fait travail qu'il était toujours qu'on fait pour le gouvernement. Gouvernement en pile fois li ba menti sou en pile baka k ap fèt et ou toujours comme tout autre fois compter sur médias internationaux d'ailleurs qui financer et diriger télé guidé par eux-mêmes. OK, j'ai toujours compté sur eux pour laver rat salio, même en Haïti d'ailleurs ça a fait. Un autre exemple, c'est le après la mort de Jovenel Moïse, où Gary Pierre Ponchal a invité André Michel et quelques autres monde encore. Vous venez parler dans la radio pour vous entendre. Comme quoi que vous-même, vous n'avez pas eu un complice dans la mort de Jovenel Moïse. C'est job média toujours fait. Et en retour, les médias lui-même, ils ont encaissé les proches avec ça l'état Bali. Pour nous avancer, nous voyons qu'en Ukraine, il y a un manquement. L'armée ukrainienne, il y a un pile manquement là-dedans. OK? L'armée ukrainienne pas capable de faire guerre ça vraiment. C'est pour une guerre que le cas gagne. Une plus belle exemple nous gagne, c'est dans le Donbass, encore une fois, je vais venir. Le Donbass, les mêmes. Qu'est-ce qu'a fait dans le Donbass, c'est vraiment tragique. Il est vraiment un challenge, un obstacle pour l'armée ukrainienne, parce qu'il n'y a pas vraiment gagné toutes les munitions qu'il a besoin. Ok? Non. Il a manqué. Équipé. Comparativement avec l'armée russe, quantité
la munition que l'armée russe utilisait contre l'armée ukrainienne dans le centre défensif l'armée ukrainienne qui est au moins de 2000 km, yo même Ukrainiens ont utilisé peut-être une fois la valeur de ça que Russie a utilisé. Ça veut dire que sous chaque 100 grains de balle que Ukrainiens ont tiré sur Russie, ou viennent joindre que Russie a utilisé ou bien tiré 1000 à 2000 balles. Donc, nous, ouais, différence là. Et ça vient mener nous à quoi immédiatement tout. Si l'armée russe les pille à l'offensive que l'armée ukrainienne, grâce à des avantages que ont gagnés, parce qu'il y a une grande divergence entre deux armées. OK? So, nous venons comprendre que on sait de rapports qui ont sorti, qui ont énuméré combien de soldats qui ont mouru par jour sous bord ukrainien, c'est des mensonges en pile fois. OK? Parce que dernièrement, et Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, il y a un rapport qui dit comme ça que, alors, en premier lieu, il y a un rapport qui dit comme ça que c'est de 60 à 100 soldats ukrainiens qui ont mouru. Donc, ça n'a pas encore un problème. Mais après ça, il y a un lot officiel dans le régime. Qui dit que c'est 200 à 500 soldats qui ont mouru. Mais qu'on y a assumé que Zelensky lui-même était par rapport de monde qui a mouru spécialement dans le Donbass. Non, d'accord. Mais cependant, en total, nous supposons qu'il y a plus de monde qui mourit. Bien que guerre active dans le Donbass. Dans la zone Severodonetsk aussi. Mais ce n'est pas le seul côté que Russie a goumé à la fois. Toujours il y a quelques petites attaques offensives dans l'autre zone. Dans Kharkov. OK? Et dans l'autre zone Cap Defenyo. Donc, en tout, nous ne croyons pas quoi que nous ayons fait qui est réel. On va avancer beaucoup plus devant. Il y a un pile de mensonges qu'on doit capter dans le rapport que Zelensky a bail et officier qui n'a la main lui a bail. Il y a une ville, c'est Severodonetsk lui-même. On a dit que l'a capturé à 99%. Ok? 99% du territoire, ça, l'a nommé l'armée russe, à l'exception de une usine. Azote. Là, ça nous vient nous là. Ouais, même schéma qui t'a fait dans la ville Mariupol. Ouais, même schéma les vient répéter là. OK, les similaires. Parce que à Mariupol nous te joignent que front offensive là, t'es totalement éliminé. Seulement gagné près de 2000 à 200 2500 soldats en dans usine, OK, Azovstal là, OK, mais parmi nous t'es gagné qui t'es blessé, gagné qui t'es mort, et nous connaît que t'es gagné un pourcentage de civils qui t'es en dans que même les Nations Unies tapent mettez pression sur les soldats, puis mettez les civils au dehors, parce qu'il n'y a pas grand rapport avec la guerre directement. Mais à chaque fois que l'armée ukrainienne a une chance pour utiliser les civils comme bouclier, ils ont toujours fait. Il y a une
son principe de droit humain que vous violez. Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser un civil pour vous clier de guerre. Ok? Mais nous connaissons que ces bataillons et régimes et nazis qui kembe moun sa yo andan jusqu'à ce que tu arrives au point côté que tu es venu rendre tête yo d'ailleurs même piti nèg yo te commencé piti yo t'a sorti dans usine ça tellement que yo te meg. OK, yo pas de jeune dans kin ressource vraiment, c'est ça qui fait à la fin tu es venu by vague. Et c'était deux choix que tu as gagné là aussi, pas de juste bombarder usine là, c'était pas deux choix. Soit que yo sorti fait face carré avec yo goumen tiré ou bien yo rend tête yo, mais là aussi t'es décidé pas éclater tout bagarre avec yo pendant yo andan. Et vraiment vrai yo tout rend tête yo et yo gen ki un peu partout, gen ki nan kal juge au Donetsk, gen kal juge directement au en Russie. Et yo même dit comme ça que gen parmi nan yo quelques général canadien, américain et peut-être français tout qui capturé parmi moun sa yo et yo à Moscou actuellement là et pas répondre question. Donc pour nous avancer, nous voyons que même schéma qui fait Mariupol là vient prendre place dans Severodonetsk. Mais ça sont l'autre usine et les azote, ok, une usine d'azote qui vient ou vient joindre que des brigades même qui en a usine ça ou vient même schéma commencer par place, mais nous tout connaissons ça a toujours fini comme là aussi pas pour bombarder usine avec yo. Il y a privé en leur côté que il y a obligé rendre tête parce que sous vous étant nos bagages manger pour manger ou pas gagner pour comprendre pour faire trop ou ca défendre tête jusqu'à un point comme un point ou privé que ou by vague ou pas bien motivation morale yo encore. Donc on pas obligé rendre tête. On n'a pas parler de support militaire de l'Occident à l'Ukraine. Parce que nous voyons que les États-Unis dernièrement l'ont annoncé, ils ont l'autre package de 1 milliard de dollars de support militaire à l'Ukraine, qui pas mal vraiment faire la différence, mais quand même. Et d'ailleurs, nous t'ai parlé de ça dans une vidéo déjà. On connaît que ils ont pile d'armes, ils ont pris tant pis au fait, même si elles font armes, pour petit leur pour capable. Jouer une zame ça c'est un an, ok, et guerre pas durer un an et la l'armée ukrainienne déjà a un désavantage, donc il pas capable faire face carré, ok, il pas capable kimbe pour tout le temps ça. Donc ça nous vient nous c'est plusieurs pays en Europe qui a fait collection d'armes d'artillerie. Ok, et puis on est capable de défendre la tête et à un niveau. Il y a une plus grande aide dans les armes que l'Ukraine joue, c'est la France. La France baille de temps en temps, elle baille 6 graines. Hier, il a annoncé qu'il y a 18 armes artillerie. Ok, pour capable de défendre la tête. Mais cependant, ce n'est pas un qui pourra faire aucune différence. D'ailleurs, vous venez de joindre que la Russie a éliminé des moyens de transport d'armes. Ils ont calculé tout côté que les armes ont passé. Et en pile, ils ont dit 70% jusqu'à 80% des armes qui ont été envoyées à l'Ukraine n'ont pas arrivé à joindre l'Ukraine vraiment. À cause de service de renseignement russe, yo getan montré au côté bagage arrière et yo soit capturé ou bien yo
tiré missile sur yo qui vinn cause que même rail train hein, dérangé il vinn automatiquement éliminer moyen de transport pour aucun autre bagaille qui ka entrer pour vinn ravitailler l'armée ukrainienne. Donc nous on a ammunition tout gen vraiment gen on divergence là ammunition que de l'armée utilisé l'Ukraine pas gen trop une plus gros et mine d'ammunition que le Tchad c'est dans yon île que yo tal bat pou prend île l'armée pas capable et l'armée russe te tué près de 60 nèg c'était île qui pipiti dans la région hein? Et si on te mette mais au sous il a été gagné plus ammunition mais cependant ammunition que l'Ukraine a utilisé actuellement là c'est ammunition qui a sorti en France et c'est ammunition que également les États-Unis a voué bah donc c'est ça en gros et quelques points ça on devait faire avec nous pour qu'on comprenne plus ou moins ça qui a passé donc et ça vient passer l'Ukraine pas qu'a gagné guerre ça OK il pas gain avantage pour faire face carré avec l'armée russe OK et l'armée russe son gros bourre cap bataille avec un petit petit il met pied sous cou l'Ukraine et puis le gros abdomen non seulement pied sous cou et puis le gros abdomen s'il veut le tirer il tout fin avoir mais cependant il pas choisi de tirer il que mes abdomen dans main mais s'il pas s'il que mes abdomen dans main ou même ou une opportunité à vous régler ça avec elle pour négocier avec elle. Vous comprenez? Donc, opportunité ça, l'Ukraine te gagne, pense que quelques semaines de cela, mais peut-être un mois de cela, mais il brise l'opportunité. Dans le niveau que la guerre arrive là, la Russie n'est pas capable, pas quand même négocier parce que pas qu'à faire confiance avec ça, Zelensky dit. Et l'Occident lui-même les montrer dévouement pour être capable de camper et avec l'Ukraine qui c'est une grave erreur camper avec l'Ukraine pas une grave erreur mais empêcher l'Ukraine négocier avec ennemi de guerre et c'est ça qui crase et qui vient faire que grand pile monde qui mourir en vain en pile soldats en pile jeunes garçons qui mourir en vain et rien guerre était supposé fini déjà était supposé gagner des traités de paix qui signé une rumeur qui cap circulé là c'est que yo peut-être prédit que ka gagner un coup d'état en Ukraine et nous pas connait que genre suite guerre va le dérouler mais seul ça nous connaît que victoire russe sur l'armée ukrainienne l'inévitable ok si on parle qui va dire qui décide l'hypothétique et l'Ukraine pas qu'à gommer n'est pas gagné assez pour le gommer et alors pour finir donc pour mentionner que yon vie le 13 juin là l'Ukraine se fait une attaque contre des appartements des civils OK dans même ville Severodonetsk yo on pense que c'est une attaque qui vraiment qui a qualifié de capon parce que ou toujours battre même genre l'armée russe a battre le faire protéger civils yo mais et attaque ça c'est ton attaque qui te fait délibérément OK c'est exprès au fait yo attaquer des civils et en pile monde mourir surtout timon et qui c'est une réponse que bay avec l'armée russe
et pas vraiment avec l'armée russe, mais ils voulaient provoquer l'armée russe parce qu'ils n'ont pas qu'à faire face carrée avec l'armée russe. Et ça, ils ont fait, ils ont tué moun. Ok? Donc, c'est une attaque qui est vraiment capon. Et vraiment laide parce que l'attaque était supposée faite contre l'armée russe et épargner les civils. Mais j'en déconne déjà. C'est dans le Donbass encore. Je connais exactement pour quelle raison. C'est ça que j'ai fait pendant 8 ans. Et le 13 juin, là, je me suis marqué l'heure que j'ai commencé à attaquer les Russes ethniques dans le Donbass. Donc, c'est travail ça, c'est pour analyser un peu pour nous, regarder ce qui a passé en Ukraine, et l'Ukraine pas qu'à gagner une guerre, et seul ça qui n'attend là, c'est qui le guerre a fini, et peut-être, on a regardé si Zelensky qui a sacrifié peuple, il y a plus toujours, ou bien l'a négocié. Dans une situation comme ça, ou pas qu'à gagner, c'est juste négocier. N'importe ça, quand il m'a demandé, balayer ou bien négocier. Mais cependant, camper goumé, pas appliqué là. Parce que c'est tu ou tu étais tout. Plus plus. Et jusqu'à présent, il y a un doute qui existait, qui dit comme ça que est-ce que l'État ukrainien, ou bien l'Ukraine, étant qu'un pays, a existé dans le prochain mois qui va venir là. Ça a un gros doute sur ça. Et 2 jours, 1 jour qui a passé, il est clair pour moi que l'IPAP existait encore. Merci un peu.